Une petite interview pour la grosse radio. Ce soir, après ton concert, il y avait un monde fou. Il était plein. Il était plein, ouais, le Rockstar était plein. Et tu incarnes la nouvelle génération. La nouvelle génération aussi était dans la salle, que des jeunes apparemment. Hein. Il y avait beaucoup de jeunes. Ouais. C'était étonnant quand même, ils te connaissent à fond. Hein. Ouais, ils connaissent les paroles, ils chantent. Voilà, ils chantent. C'est un plaisir. Ouais. Et qu'est-ce que tu vas où après? C'est où? Demain on est à Perpignan. Oui. Après-demain on est à Angoulême. Et après-demain on est à La Rochelle. À La Rochelle. Ah ben ça va, ça vous fait le tour. Ben nous on va quasiment te suivre parce que nous on retourne dans le Poitou. Donc, ouais, faut pas hésiter, on va faire de la place dans le bus. Et cet été, t'as quoi comme programme de... Festival, on va être sur la tournée. Donc, Régis Oscar. Ouais, Régis Oscar m'a annoncé ça aujourd'hui. Ouais, j'ai vu ça et tu vas faire un bœuf avec Rising Tide. Bah, j'espère, oui, ça voilà. Sert bien. Comme j'ai vu que tu figures sur leur dernier ouais, disque. C'est vrai, et ils arrivent à Montpellier le 7 avril, on va aller les voir aussi parce que franchement, c'est bien aussi. Ça va être puissant. Voilà, ouais. Voilà. Et il paraît que tu reviendrais ici cet été. À Montpellier? Pas à Montpellier à 7, on m'a dit que tu oui, serais. Oui, ouais, exactement. Ouais. Et ben les fans de la région vont pouvoir enfin te revoir, tous ceux qui n'ont pas pu rentrer ce soir. Ah ouais, je sais pas s'il y en a eu beaucoup. Si, apparemment, quand même, il y a eu beaucoup de demandes. Hein. Il y en avait quand même pas mal à l'extérieur qui demandaient s'ils pouvaient rentrer. Encore triste. Mais non, mais bon. Ça me fout au cœur. Ça me fout au cœur. Voilà. Et avec ces temps, cette turbulence en ce moment, où tu arrives à trouver ton inspiration, parce que avec ces temps qui sont si sauvages pour tout le monde, comment tu ressens ça? On se ressent tous pareil, après c'est... Oh, attention, on a une frère. On se ressent tous pareil, après c'est une question de... Moi, c'est dans la spiritualité que je trouve mon inspiration, vraiment, c'est dans l'effort de faire. Et puis, moi, j'ai la chance d'être sur scène, donc ça a un sens, tout ça, ça a un sens. Et du coup, on le prend plus au sérieux. Donc nous, c'est un peu notre exutoire, on peut se lâcher sur scène. Et puis tu donnes du plaisir. Ouais, voilà. Et puis les gens pensent à autre chose. Ah, je trouve qu'au contraire, voilà, quand c'est la nuit comme ça, et au contraire, il faut briller encore plus, parce que c'est... Il n'y a rien d'autre à faire, c'est ça. Donc moi, plus les temps sont sombres, plus on essaiera de briller fort. De toute façon, il n'y a pas de max à faire. Bon, écoute, c'est sympa en tout cas de nous avoir reçus. Je vais pas trop te dire longtemps, parce que je sais que tu n'as presque plus de voix après avoir chanté aussi fort. Et... Merci encore, hein, et à la prochaine. Ça marche, avec plaisir.